Selon la coordinatrice du système de prévention et de détection des actes de corruption et infractions assimilées, Spacia, cette campagne de sensibilisation va se dérouler dans les 10 communes du district d'Abidjan avant de s'étendre à l'ensemble du territoire. Nous avons commencé aujourd'hui par Adjamé. C'est vraiment dans un objectif de sensibilisation sur les méfaits de la corruption et d'amener les populations à prendre conscience de la nécessité de lutter contre ce fléau pour le bien de tous. Cet outil de bonne gouvernance est mis à disposition afin que tous les actes de corruption dont les usagers sont victimes ou témoins soient signalés et traités. Cette croisade anticorruption s'adresse aux groupes socioprofessionnels et aux autorités administratives afin qu'ils servent de relais auprès des populations. En 2019, une étude a révélé que 1 400 milliards de francs de CFA sont perdus du fait de la corruption parce que tout ce montant est allé dans la poche des individus qui ne voient que leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif. Le concours des populations est d'autant important que la lutte contre la corruption ne saurait être le seul fait du gouvernement.